Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour deux points. Un point qui va être assez rapide et l'autre, je vais essayer de le faire rapidement aussi, mais c'est pas gagné. Premier point. Alors, je vous présente ici les trois figurines à gagner pour le mois de janvier. Alors, celle-ci est bientôt finie, hein. Celle-ci se termine le 10 janvier. Donc, je vous conseille d'aller très très vite vous inscrire pour pouvoir y participer au tirage au sort de cette figurine. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube MacGyver, vous regardez la vidéo, enfin il y a plusieurs liens, vous tapez Darth Vader concours, enfin bref, vous débrouillez. Et ou simplement sur le lien que j'ai écrit en poste. Ensuite, vers le 11 janvier, je donnerai le top départ du concours pour gagner cette One Piece Luffy. Alors, ça sert à rien de vous inscrire maintenant, hein. Je vous le dis d'avance, ça sert à rien. Hein. Ne vous inscrivez pas maintenant, ça sert à rien. C'est moi qui donne le top départ, donc ne remplissez aucun formulaire avant, hein. Et vers le 25 ou le 26 janvier, vous aurez cette Goku Black. Les trois dans leur emballage d'origine avec numéro de série 100% vrai. Voilà, donc ça c'est clair, net et précis. Ensuite, deuxième point, et pour essayer d'aller droit au but, je fais ces vidéos et je fais gagner ces figurines. Franchement, et je vous le dis honnêtement, c'est vraiment par pur plaisir. Moi j'adore Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, je fais gagner cette figurine, je pourrais très bien la garder pour moi, mais je la fais gagner. Et vous savez pourquoi je la fais gagner? Parce que ici, cette Goku Black me coûte 15 euros. Et que chez vous, enfin chez vous, chez moi aussi, quand même, parce que la France, c'est mon pays, mais chez vous, ces figurines coûtent 25, 30, 35 euros, vous coûtent un bras. Voilà, donc il y a quand même ce côté-là chez moi pour vous faire gagner ces figurines. Là, Luffy, je la fais gagner. Celle-ci, je la fais gagner, ça ne me dérange pas parce que, bon, One Piece, moi, je ne suis pas forcément One Piece. Donc, je ne vais pas la garder. Celle-ci, je la fais gagner, il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même un côté, entre guillemets, partage. Ensuite, je fais gagner aussi ces figurines pour que ma chaîne YouTube puisse être un peu plus connue. Certes, je ne le nie pas. Mais je ne le fais pas pour gagner de l'argent par rapport à ça. Je veux dire, YouTube me permet surtout de partager ma passion. Je ne veux pas gagner d'argent par YouTube. J'en ai rien à foutre de YouTube. Je gagne ma vie déjà comme il faut en dehors de YouTube et c'est simplement du à côté. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une petite communauté qui puisse se former. Et dans lesquels on peut échanger et regarder des vidéos, commenter, critiquer intelligemment. Voilà, c'est ça le but recherché avant tout pour moi. Je ne veux pas être un Cyprien 2 ou un Squeezie 2 ou je sais pas quoi. J'en ai strictement rien à foutre de ça parce que de toute façon, moi, personne ne m'achète. À la différence de certains YouTubeurs. Donc, la chose, elle est claire. Vos données, quand vous remplissez un formulaire pour gagner une figurine, j'en ai rien à battre de vos données. C'est simplement pour collecter tout le monde en un point. Et quand je dois tirer au sort, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que croyez-moi que moi, j'ai pas de modérateur, j'ai pas de salariés ou d'employés qui sont là pour regarder les mails ou les messages des gens sur Facebook. J'ai pas ça, je suis tout seul. Donc évidemment, il faut bien que je fasse au plus pratique. Tous les mails que j'ai reçus par rapport à cette figurine seront effacés de manière définitive le 11 janvier à minuit. Ok? Donc quand vous voulez gagner cette figurine, et si vous avez déjà participé à celle-ci, eh bien, il faudra encore remplir un formulaire. Parce que je n'ai plus vos données. Donc, c'est pas la peine de me dire, ah ouais, mais je t'avais envoyé un mail pour celui-ci avec mon numéro de téléphone, donc j'ai pas besoin. Si. Si. Vous avez besoin. Parce que moi, vos données, je ne les collecte pas. Elles sont détruites à chaque fin de concours grâce à ma boîte mail que je peux paramétrer ainsi. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair parce que je fais tout moi-même, de A à Z. Je vais moi-même acheter les figurines avec mon argent. Je fais moi-même mes vidéos, mes montages. Je vais moi-même à la poste. J'emballe moi-même les choses précautionneusement.
Je renvoie tout en suivi en plus. Donc voilà, je fais tout par moi-même. Donc après, se faire troller parce que un mec est rageux ou deux, et ils vont vous dire, ah ouais, mais tu collectes des données, alors, nanana, puis après tu vas vendre ça ou je sais pas quoi. Mais fuck, fuck, fuck direct. Non, 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 non. Il y a des gens qui ne sont pas là pour faire du fric sur les emails ou sur les données des gens. Il y a des gens qui sont simplement là par passion, qui veulent aussi donner la possibilité à des gens de gagner des figurines que peut-être vous ne pouvez pas trouver, ou alors celle-ci vous pouvez peut-être la trouver au Japon, mais du coup ou en Chine, mais du coup les frais de port sont prohibitifs, donc vous n'allez pas l'acheter parce que cette figurine elle coûte 280 Taïwan dollars, ce qui fait à peu près, grosso merdo, on va dire 10 euros, 8 euros, 8, 8, 8 euros à peu près, elle fait 8 euros. Si vous en avez pour 8 euros de frais de port, c'est complètement con. Donc voilà, j'ai la chance d'habiter à Taïwan et j'essaie de pouvoir aider les gens s'ils ont besoin de pouvoir gagner quelques figurines gratuitement, 0 euros. 0 euros pour participer, 0 euros pour les frais d'envoi. Voilà, donc j'espère que c'est clair parce que j'aime pas trop me faire troller et surtout pour les mauvaises raisons. Qu'on me troll parce que peut-être je parle mal ou que je dis des conneries ou qu'à un moment donné j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai par rapport à Star Wars. Mais oui, mais Star Wars, moi je suis pas Star Wars donc j'en ai rien à foutre de Star Wars. Ça, ok, mais qu'on me troll sur le pourquoi du comment de ce que je fais, ça c'est pas. Non. Voilà. Il faut déjà un minimum me connaître et quand on veut me critiquer, par pitié, regardez au moins mes vidéos. Une partie de mes vidéos et essayer un petit peu de comprendre qui je suis. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule, tranquille, sympa. Donc encore 2 jours pour gagner celle-ci. À partir du 11 janvier, la Luffy. Et puis, à partir du 25 ou du 26 janvier, la Goku Black. Merci à tous. Belle collection et bonne collection pour tout le monde, quel que soit le type de collection, de la Barbie même jusqu'au croix gammé, que j'ai envie de dire, le mec il a envie de collectionner les croix gammées, pourquoi pas, je veux dire, s'il a envie de se les foutre dans le fion, peu importe, belle collection à tous, et moi je vous dis à la prochaine!